Norris s'attaque encore à Lewis Hamilton, décidément. Il ne sait pas s'en empêcher, Lando. Alors, hier, après les qualifications, bon, ça c'était, voilà, la déclaration de dimanche, hein, Lewis s'est plaint de difficultés de terminer en dehors de la première position. Essaye de courir en 19e et 20e. Il n'a jamais fait ça de sa vie. C'est donc la seule chose que Lewis n'a pas fait en Formule 1. Se battre pour les 19e places. C'est vrai qu'eux, ils l'ont fait en début de saison, pour le coup, chez McLaren. Norris a également ajouté que la voiture de McLaren n'est pas plus rapide que la Mercedes. Mercedes était en pole ici l'année dernière, leur voiture était plutôt bonne. Je sais que Lewis se plaint beaucoup de la beauté de notre voiture, de la mauvaise qualité de la leur. Mais ils n'ont pas une mauvaise voiture. Il a ensuite évoqué les buts de course. Lewis est resté devant, ce qui était frustrant, mais j'ai ensuite réussi à rester à l'extérieur. J'étais un peu surpris, j'aurais pensé qu'il me ferait courir un peu plus loin, mais il ne l'a pas fait, c'était serré. Je suis sûr qu'il essayait toujours, mais c'est très facile de se verrouiller dans le virage 2. Ça a marché, donc je pense que ça a sauvé notre course aujourd'hui. Si j'avais pas pu le dépasser, je pense pas que je l'aurais dépassé, car leur rythme de course était très élevé. Leur rythme général était très fort, je pense donc qu'ils n'ont pas exécuté une très bonne course et ce dépassement m'a permis d'obtenir un podium. Ouais, bah oui, je pense que ce sont Hamilton, il a eu un mauvais début de course. S'il était resté devant Norris, effectivement, il aurait ralenti Norris. Et il serait peut-être resté devant, oui, Hamilton. Et au final, ils auraient fumé à la fin, quoi. Avec son dernier bon relais, quoi. Bref, avec des si, encore une fois. Rendez-vous à Spa maintenant.